grand moment de télé, là. Il y a François Valéry, il vient. Et merde, putain, vite hein. Il y a François Valéry qui vient. Il chante en live, bébé. Et au lieu de rester sur la scène, il est venu, il a dit bonjour aux gens. Il a scruté le balcon d'une des nanas. Il fait les bisous aux mamies. Et il a mis la main dans la nuque de Laurent Louya. Et ça, c'est génial, quoi. Avoir la main dans la nuque d'un mec qui bat ses femmes, ça, c'est super. C'est la chaleur humaine du mec qui bat les femmes. En plus, il envoie la purée. Il fait le job et il fait plus que le job. Ça, c'est sympa. Il vient auprès de son public. Ça, c'est beau. Voilà, il dit bonjour aux gens. C'est un homme de scène, il va fêter ses 40 ans, ça fait plaisir. Ouais, un homme apaisé. Tous les procès de violence conjugale sont derrière lui, ça fait vraiment plaisir. Et Amado la niçoise. Ouais, ça c'est cool. Et il fait le job, en plus c'est ça qui monte. Tout à l'heure, il a demandé le retour plus haut. Et il tient la chanson, il tient la baraque. Il tient la baraque. Voix pleine, prends ça dans ta gueule. 40 ans de carrière, le mec. Voilà, il tient le truc, tu as vu? Il est dans le tempo, il est pas là, il s'est éparpillé, il fait n'importe quoi. Il m'a vraiment épaté. Un grand moment de télé, c'est ça que j'aime bien dans Village Départ, c'est que c'est... Il fallait y être, quoi. Heureusement que je suis là en direct, mais vous avez raté un truc, les gars. Il arrive à chanter en faisant la bise aux gens, c'est ça qui est le boss. Il tient le micro et il arrive à faire la bise et il chante. Et en plus il chante juste. Hop, il court, putain, il tape le sprint. Putain, mais il a la forme là, François. Il t'a niqué Tom Jones là. Le pro, je suis épaté, quoi. Il vous la met profond, François Valéry. C'est vraiment une leçon pour tous les jeunes chanteurs de merde qui viennent chanter en playback. Et en plus, il est décontracté. Regarde-moi ça. Nickel. Le sourire, le contact avec le public. Et il assure vocalement. Putain, chapeau, mec. Là, il fait plaisir. C'est le boss. C'est le patron. Il est sur le cul. Il les a tous niqués, là. Bravo. En plus, c'était pas prévu. Respect. Alors là, bravo, mec. Ça me fait plaisir. Oh putain, là, j'ai une érection. Tellement c'était beau. Putain, j'étais chaud, là. Allez, continue. Allez, le bisou. C'est de la prouesse. Bravo, François. Franchement, épaté, là. Voilà, ça, c'est le François. Ça, c'est France 3. Ça, c'est tout ce que j'aime. Direct et proche des gens. Allez, le bisou. Mais pétard, oh, il a envie de baiser là. Putain, il est en forme. Hein. Il n'est pas spécialement essoufflé alors qu'il y a le soleil qui tape à Nice. Regardez-moi le soleil, le cagnard qu'il a. Et il est propre, ça va. Denis Fabre et Mado. Voilà, tout le reste, on fait de la figuration. Voilà, en plus, il est humble. Il t'a envoyé la purée et il reste humble. Ça, c'est beau. C'est le boss. C'est le taulier. Putain, génial. Alors voilà, en plus, je me disais pourquoi il est pro. C'est parce qu'il s'entraîne pour la truc Hachetendre. Et voilà. Il a des problèmes de justice. C'est le boss. Et le prochain single, je pense que les gens vont l'entendre à partir du mois prochain. Ça, c'est bon. Alors là, en plus, il te promet un single. Aimons-nous vivant, ça. Elle a une histoire quand même. C'était un immense tube de l'année 1989. Ouais. Il a tenu le haut comme ça du pavé pendant quelques semaines, on va dire, le haut du top 50. Ouais, le haut du top. Bah, il est dans le top, ah là là. À l'époque de François Valéry. Et c'est une chanson qui est restée dans les mémoires. Surtout. Il a l'air heureux. Putain, alors lui, il te casse l'ambiance. Putain, il te met la tronche qui fait pour dire ça. C'est assez... Je sais pas, moi, il a je voyais Michel Thor l'autre jour, une tête de con qui fait alors qu'il vient te faire une prestation de ouf.